لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les conséquences et contre les insinuations du diable. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égaler. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il y a des dieux qui méritent d'être adorés, sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Après la louange, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité la prière du Maghrib à la mosquée en Jama'a. C'est une grâce d'Allah sur nous. Combien sont ceux qui sont dans le quartier, qui n'ont pas d'occupation particulière, mais qui n'ont pas pu se rendre à la mosquée, venir faire la prière, venir lui donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, et qui ont préféré baquer à leur occupation, ont préféré gaspiller leur temps à des choses qui ne les profiteront pas ici-bas comme dans l'au-delà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, et ce sujet-là, c'est la foi du musulman. À la croyance des musulmans. Amina Kuma, l'Imania Lika. L'Ikame, yes, la maïe, c'est que il l'Imania là, fait demander manima. Pour le battre la loi, faut un coup slama. Donc, au l'Imania Konofana, pour d'obéir, Amika Kolon, Amakanta, pour co-négliger. Mais Namaski, Kawati Dodi, au pour cela aménager améliorer en Allemagne tient sans s'en rendre compte. Et je disais, quand tu attends musulman, c'est-à-dire tu as accepté d'adhérer à une conviction, tu as accepté de croire à un certain nombre de choses, et ces choses-là ont besoin d'être détaillées. Pourquoi on doit détailler? Parce que si on ne détaille pas, tu vas te retrouver dans des situations qui vont te faire sortir de cette foi-là. D'où l'importance d'apprendre la croyance, sa croyance, d'apprendre la croyance islamique authentique qui sera cause de nous faciliter notre vie ici-bas. On va vivre en paix avec nous-mêmes et on sera heureux dans l'au-delà. Et nous allons nous baser sur un livre qui est connu et qui est répandu à travers le monde, qui est le livre qui est dénommé Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Et il n'est caché à personne ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque le fils d'Adam va mourir, lorsque le fils d'Adam mourra et qu'on enterra dans sa tombe, sa demeure, avant la demeure finale, la dernière demeure, soit au paradis, soit en enfer, le prophète nous dit, il sera soumis à une épreuve, qui est l'épreuve des questions de Munkar wa Nakir, des deux anges de la tombe. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les anges vont demander au cadavre, vont demander au mort, man rabbuka,
Qui est ton Seigneur? Ma, dis-nous-ka, quelle est ta religion? Ma, nabiyuka, quel est quoi avec ça, ton prophète? Ou bien, ma, kitabuka, quel est ton livre? Bref, l'ange a posé ces quatre questions. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Quelle est la personne qui t'a été envoyée comme messager, comme guide? Et quel est le livre qui vous est donné? Quel est le livre en quoi tu croyais? C'est ces quatre questions-là que Allah subhanahu wa ta'ala va poser à tout un chacun d'entre nous après sa mort. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit mémoriser la question? Là, si on meurt, on va répondre. Si l'affaire était comme ça aurait été facile. On allait tous mémoriser. Et puis, une fois qu'on meurt, on nous pose la question, on répond. Mais la mort est une étape. On vit sur des convictions. Et on meurt sur des convictions. C'est pourquoi le professeur Samy dit, celui qui a vécu sur une chose sera ressuscité sur ces choses-là. Si tu es mort dans l'adoration, tu seras ressuscité en position d'adoration. Si tu es mort en train de faire le péché, tu seras ressuscité en train de faire ce même péché d'ailleurs en Qiyam. Donc, si tu es mort alors que tu croyais fermement à Allah subhanahu wa ta'ala, tu croyais à son messager, tu as appris la religion islamique, à connaître la religion avec les preuves, tu as respecté le Coran, tu as lu le Coran, tu as appliqué le Coran, tu as amené les gens à suivre le Coran, alors tu seras ressuscité sur cela. Donc, ça veut dire, dans la tombe, Allah va t'assister et tu pourras répondre à ces questions. Donc, quand on sait que l'épreuve ultime de la tombe est de répondre à ces questions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher à maîtriser ces questions. On doit chercher à comprendre le sens réel derrière quel est ton Dieu. Le sens réel derrière quelle est ta religion. Le sens réel derrière quel est ton livre. Le sens réel derrière qui est ton prophète. Et c'est ce qu'on va voir dans ce livre qu'on appelle Les trois fondements qui a été écrit par le cheikh Mohammed Ibn Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et nous allons nous baser sur l'explication d'un de nos savants qui est décédé, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui a fait l'explication de ce livre. Normalement, je devais envoyer le PDF en français sur le groupe, mais j'ai pas eu le temps de télécharger. Voilà. C'est pourquoi j'ai remis mon vieux document là. Donc tu pourras suivre la mienne. Voilà. C'est-à-dire, la science à venir, avec le PDF, on pourra suivre ensemble. C'est-à-dire, quand je dis, et prends une ligne, ce que le chef dit de cette partie-là, on va l'expliquer au fur et à mesure, puis on va comprendre. Le chef, il dit, «E'lam, rahimakallahu, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-oula, al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi, wa ma'rifatu nabiyihi, ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.» Le cheikh dit dans cette partie, il dit, sache et qu'Allah t'accorde sa miséricorde, qu'il nous est obligatoire ou il nous incombe d'apprendre quatre choses essentielles ou quatre choses fondamentales.
Il dit la première de ces choses-là qui est, c'est la connaissance. On doit connaître, on ne doit pas être ignorant, on doit chercher à savoir. Et il dit le savoir consiste, le savoir, dans, quand on dit chercher à savoir dans, en islam, ça consiste à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama ko loni islamaya kono me kan si an loni de doctoria loni de mathématique o loni de mais islamaya loni comment il est Allah le nom premier. On n'a pas dit que les autres sont importants, c'est important, mais la première des choses que tu dois savoir, que tu dois connaître, c'est ma'rifatullah. Marifatou, connaître le Seigneur, connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Marifatou Nabi. Il faut connaître le messager qui t'a été envoyé. Quand on dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui il est? Quelle est sa place dans la religion? Quelle place il doit occuper dans notre cœur? C'est tout ce qu'on appelle la connaissance du prophète. On doit connaître Dieu d'abord, celui qu'on va adorer, et on doit connaître son prophète qu'il a envoyé vers Mohammed, alayhi salatu wassalam. Après cela, وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ. Et après cela, on doit apprendre notre religion. On doit apprendre l'islam. Ah, la religion qui a accepté de suivre l'homme. C'est quoi? C'est une religion qui m'amène à faire quoi? Quelles sont les valeurs de cette religion? Quels sont les enseignements de cette religion? Qu'est-ce que cette religion-là veut de moi? Est-ce que vous voyez? Donc, on est toujours dans la première chose qu'on doit apprendre. Il dit, on doit apprendre quatre choses fondamentales. Donc, la première chose, c'est quoi? La connaissance. Et il a subdivisé la connaissance en plusieurs parties. Donc, la connaissance du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la religion islamique avec les preuves. Et il a ajouté les preuves. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que le cheikh va expliquer après. Et s'il y a des détails à donner, on va donner les détails avec nos exemples actuels, inch'Allah ta'ala. Et après la connaissance, il dit al-thaniyatu al-amalu bihi. Après avoir eu la connaissance, il faut appliquer la connaissance. Donc la mise en pratique, si je me trompe, la mise en pratique de cette connaissance-là. Ni qu'à Alalon, ni qu'à Chilalon, ni qu'à Slamayadina Kitilon. Alors tu dois faire quoi? Il va là-bas. Tu dois appliquer. Ni qu'à Alalon, il va là-bas. Ni qu'à Alalon, il va là-bas. Ni qu'à Alalon, Alako, comme il garde à Iboké, comme il manda à Ibotoï. Tu as connu Allah. Ok? Tu dois le craindre. Tu as connu Allah, tu dois l'adorer. Tu as connu Allah, tu dois t'écarter de tout ce qu'il n'aime pas. Tu as connu le Seigneur qui tu te prosternes. Tu dois faire tout ce qu'il te demande de faire. C'est ça qu'on appelle appliquer la connaissance que tu as reçue. Tu as connu Mohammed sallallahu. Tu sais que c'est un modèle pour toi. Tu sais que c'est lui que Dieu a envoyé comme imam pour toi, pour te guider direct au paradis, sans obstacle. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le respecter. Tu dois avoir un amour particulier dans ton cœur. Et tu dois t'arranger à le suivre à la lettre, dans ce qu'il t'a ordonné de faire. C'est ce qu'on appelle appliquer
la connaissance. Aussi, tu as connu l'islam avec les preuves. Alors, tu dois pratiquer tous les valeurs de l'islam. Commencer par la prière, par le jeûne, par sortir la zakat, par faire ton hajj et autres là-bas, avoir de bons comportements envers les parents d'abord, avoir de bons comportements dans ton entourage, comme ça, souder les liens de famille, de parafraternité, de parenté et autres là-bas. Tout ça, c'est l'islam. Et tu dois appliquer cela. Allah t'a dit de faire cela, tu dois appliquer cela parce que tu as la connaissance de cela. Et c'est pourquoi on dit, le savant, c'est celui qui met ce qu'il a appris en connaissance, en application. Toi, tu es un savant, hein? Et que l'on est parlé. Mais il a fait une granita là-bas, là. Voyez, ta connaissance doit marcher avec ton application. Ça, c'est la deuxième des choses. La deuxième chose, c'est quoi? La mise en application. Après, poser la question. On a dit que le cheikh dit quoi? On doit apprendre quatre choses fondamentales. On doit connaître quatre questions qui sont importantes. La première, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La première, c'est la connaissance. Et la connaissance renferme la connaissance d'Allah, son messager et de la religion. La deuxième des choses, c'est quoi? La mise en application de cette connaissance. Troisième, Al-Thalithatu, Ad-Da'watu ilayhi. Après avoir mis ta connaissance en application, tu dois appeler les gens maintenant à faire cela. N'est-ce pas? Ikaloni là-bas, tu dois inciter les gens à faire cela, à apprendre la religion, à appliquer la religion. Et que Cameroun peut qu'avoir à la potano. Parce qu'il ne suffit pas de connaître Dieu. Il ne suffit pas de mettre en application toi seul et puis oublier les gens. Si c'était comme ça, ainsi toute la canne, personne n'allait être guidé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu Jibril alayhi sallam. Il lui a donné le message. Mais si c'était assez lui seul, pour faire la réalité islam à lui seul, est-ce que nous on allait avoir l'islam? Et lorsque Jibril lui a donné la révélation, les versets qui ont suivi à chaque fois, va appeler les gens. Après avoir reçu la révélation, les versets qui ont suivi la révélation, Iqra, c'est quoi? Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Comme vous le savez, lorsque Jibril est venu, on fait un peu d'histoire, le prophète sallam, habituellement à la Mecque, il avait l'habitude de s'isoler déjà. Avec bon la pour Il fallait méditer un peu, fallait réfléchir. Mon peuple adore les idoles. Ils adorent la terre, des pierres que nous avons taillées. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que Dieu? Il va réfléchir sur ça. Dans une grotte qu'on appelle la grotte de Hira, Rar Hira. Et c'était son habitude. Un jour, il est sorti, il a pris ses provisions, il est parti faire comme ça, cette retraite-là. Spirituel, pour méditer sur la création, pour chercher sa voie. C'est là, Allah a envoyé Jibril, alayhi salam, pour lui donner la révélation. Et lorsque Jibril a apparu devant Mohammed, sallam, il a pris peur. Parce qu'il n'avait jamais vu une créature comme ça. Une créature qui remplit l'Orient, et l'Occident, c'est-à-dire qu'il remplit tes épées et tes bords. Où le soleil sort, où le soleil se couche, il n'a pas fait femme. Tu vois rien d'autre, c'est pas lui. Tu tournes comme ça, tu vois Jibril. Tu tournes comme ça, tu vois Jibril. Tellement il est construit, il est grand. Et lorsqu'il déploie ses ailes, il y a 300 ici. Il y a 300 ici. Les oiseaux qu'on connaît là, c'est deux.
Mais pour lui, là, c'est 300, 300. Et je vous invite à aller voir la description de Grand Jibril. Allez, c'est dans ce Google. 307, 307. Et chaque aile est constituée de pierres précieuses, en argent, en or, ou autre là-bas. Donc imagine la lumière qui jaillit de tout ça. Sur toi, être humain, petit comme ça. Et Jibril l'a serré, contenu comme ça, avec ses ailes. De toutes ses forces, qu'on rapportait dans les hadiths. Puis il dit quoi? Ya Muhammad, écras, ya Muhammad. Muhammad lit. Dima'ana, bikad. Dit, je ne fais pas partie de ceux qui disent. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Je ne sais pas lire. Écras, il dit, lit. Il dit, ah, ma'ana, bikad. Je ne fais pas partie des gens qui savent lire. Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas parti à l'école. Moi, depuis ce petit village, c'est en train d'apprendre le comportement des Arabes. Parce que c'est au village, il y a un bon comportement. Dans la grande ville, là, Douro Tchéna, Douba, donc mon oncle m'a envoyé au village, voilà, apprendre la culture, arabe et autres là-bas. Et quand ce petit, il a suivi le bouton des gens, c'est pas lui. Il a grandi, il a commencé à faire promesse. Avec une femme qu'on appelle Khadija. Après, c'est elle qui est mariée. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Si tu es dans la promesse, là, tu as tout mis des lits. Moi, c'est pas là. Ma a avant pas là. Comment attraper que moi, je connais pas. Et donc, il sait pas lui. Troisième fois, il dit, Ikra, bismi Mohamed, il faut lire par le nom de ton Seigneur qui a créé. Il venait lui montrer que tu existes. Je peux savoir qu'il ne sait pas lire. C'est là qu'on va dire, je peux savoir qu'il ne sait pas lire. Mais il y a un message derrière cette question. Le message est quoi? La première révélation que l'ange a donnée à Mohamed, c'est quoi? Il n'a qu'à chercher la connaissance. L'œil, écras, lit. C'est pas lui. Donc, c'est un message à nous aussi, les musulmans. On doit apprendre à connaître notre religion, à connaître notre Dieu qu'on adore. Si tu vois aujourd'hui, il y a beaucoup de discours, disputes, de débats inutiles, c'est parce que les gens n'apprennent pas. Et aujourd'hui, on passe plus de temps sur Internet que sur un livre. Et sur Internet, lui qui se lève, il dit ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent que Dieu, qu'on va retourner à l'adoration des idoles. Alors que depuis des milliers d'années, Allah a enlevé les gens de cette adoration-là pour les envoyer à la lumière qui est l'adoration d'un seul Dieu unique sans associé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Mohamed dit, il ne sait pas lire. Et Jibril a révélé les premiers versets de Sourate Iqra sur lui. Mais quand Jibril, alayhi salam, il est parti, Mohamed ne s'est pas retrouvé. Alors, ici, ni Dina Kaïe, la mort de la souffert. Non, fera il ne se retrouve plus. Mais s'il va se retrouver, voilà, faute de doigts ou quoi. Puis beaucoup de médicaments, beaucoup de cycles, beaucoup de l'eau qui a sur lui, puis il peut se retrouver. Parce qu'il n'est pas préparé à voir un être comme ça. Si quelqu'un voit un génie, il voit un génie, se monte à tête, et puis il se retrouve. Il se retrouve pas. Soit va devenir fou. Ceux qui font les zigs bizarres. Hein, quand ça pète, là, il devient fou. Mais nous, ça, là-bas, il ne se trouve pas. Parce qu'il n'est pas prêt à voir ce problème. C'est pourquoi Dieu a mis un voile entre nous. Tout ce que Dieu met un voile entre toi et puis ça,
Vous savez que tu peux pas supporter ça. C'est pourquoi on ne voit pas les anges. C'est pourquoi on ne voit pas la mort. C'est pourquoi on ne voit pas les génies. Mais tout ce que tu vois là est visible dans notre monde là. C'est que tu peux supporter. Tu as peur, mais tu peux supporter. Si tu vois le lion, je vais courir, il va avoir peur. Mais si on m'a animé dans le coin, il n'y a pas, il y a pas de feu. Mais la preuve, on va au zoo, on voit le lion devant nous. Voilà, donc on prend photo, même, on propose, on prend photo. Ah, mais ça, mes chéris, dans le cage, tu ne peux pas prendre photo? Pourquoi tu ne peux pas supporter? Il faut comprendre ça. Tout ce qui est dans l'invisible, tu ne peux pas supporter. C'est pourquoi le mort qu'elle voit là, d'abord, tu n'es pas tranquille. Hein? C'est ça, ce que, alors, s'il est bon, parmi les bonnes personnes, alors on voit les anges pour le tranquilliser. Voilà, Tafafou, voilà, Tarzanou. Il est tranquille. Donc, il a vu Tibi. Donc, ça n'allait pas. Et il est parti. Il a exprimé aussi l'émotion qu'on doit avoir lorsqu'on voit une créature comme ça. Il est parti. Il transpire. Il est à gauche, il est à droite. Il voit toujours Tibi. Malgré qu'il n'est pas là, il voit l'image de sa tête. Ça va voir en celle-là. Et notre mère, il a dit, il y a quoi? Il dit, il est là, il est là, il est là. Il dit, tu le vois? Il dit oui. Tu le vois? Il dit oui. Mais heureusement aussi, elle était sage. Une femme qui a la sagesse. Elle a enlevé son foulard sur sa tête, son voile. Elle dit, est-ce que tu le vois? Il dit, non, je ne vois pas. Mais les hommes ne supportent pas chez eux les femmes. Alors, il a dit quoi? Zamiloni, Zamiloni. Couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Mettez drap sur moi. Il avait froid. Mettez drap sur moi. La manette, quand tu as peur, tu as froid, là. Ton cœur est coupé, tu trembles. Voilà, si elle sort toi, c'est la même chose. Et, tout s'est accouché. Elle a dit, toi, tu viens de, tu penses que c'est pour, tu t'es monté Djibril pour une dormir. Tu penses que t'es monté Djibril pour une dormir. Il dit, ya, ayyuhal, mouta, mouzammil. D'abord, il y a un humain, nous amène. Oh, toi, tu te couvres avec un drap pour te, genre, voilà, pour te réconforter pour avoir chaud. Comme Fahanzel. Ce que tu as vu là-bas, c'est pas pour venir dormir. C'est pour venir travailler. Lève-toi, va appeler les gens. Lève-toi, va accomplir ta mission, qui est le fait d'appeler les gens. Pourquoi je suis venu dans cette histoire-là? Vous pouvez comprendre que le chef n'a pas choisi les quatre principes là comme ça. Par exemple, il est content, il dit ça comme ça. Non. Il dit faut avoir la connaissance. Il dit plus à commencer par la connaissance. Il dit faut appliquer la connaissance. N'est-ce pas? Et puis après, il dit quoi? Faut annoncer ce que tu as, ce que tu as appris. Faut annoncer ce que tu as appris, ce que toi-même tu appliques et appelle les gens vers ça. Et on comprend de là que quoi? Un bon daï, un bon prédicateur, un guide, un imam, c'est quelqu'un qui apprend la science, qui lui-même, il applique cette science-là, ce qu'il a appris, lui-même, il fait d'abord. Et après, il amène les gens à pouvoir le suivre dans ce que lui-même, il fait. Mais il dit pas aux gens, faites ce que je vous dis, et ne faites pas ce que je fais. Hein? Les imams Choco de lui. Il prêche bien. Mais lui-même, il fait autre chose à côté. Il interdit la chose. Lui-même, il fait. Hein? Il dit ça, c'est haram, ça, c'est haram. Lui-même, il fait. Il dit ça, c'est bon. Lui-même, il fait pas. Mais tes élèves que tu as pris dans le ghetto là-bas, là-haut. Hein? Ce que j'ai arrivé dans le grain, n'aura pas de suite, la route sur la base de quoi? Ensuite, nous sache que lui-même ne fait pas ce qu'il lui dit de faire. Hein? Toi, tu es un maître de karaté. Tu dis, n'aura pas pour 100. Toi-même, tu n'auras pas pour 10. Faut montrer l'exemple. C'est pas Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Un jour, au Hajj, il avait un pèlerinage. Il dit aux gens, ah, coupez vos cheveux.
Acne, tu prends le truc, c'est là, non? Voilà. Même pas, pas fait Ajou. Mais Acne, tu prends vos Ihram là. Non? Les copains sont là, personne n'a fait. Aïe. C'est notre mère, chère. Il dit, ah, moi, il faut, à ma copain, ne pas se coiffer. Personne ne se coiffe. Toi aussi. C'est le guide. Et toi, c'est toi, t'es limon. Toi, tu n'as pas se coiffer. Toi, mets ta cheveux dans ta tête. Faut pas y t'asseoir. Faut dire, non, quand t'es rasé. Et puis, tu vas voir. Ils sont là, sont dans les parties, c'est assis, ils vont venir me raser. Qu'est-ce que c'est rasé, là? Eux, tous sont rasés. Les gars qui ont les cheveux qui arrivent ici, les cheveux lisses, tout ça. Donc, quand c'est rasé, tous les copains sont rasés. Donc, pour dire un imam, c'est celui qui donne l'exemple. C'est pourquoi, imam, il y a un grand facile. Si tu es devant les gens, quand tu vois, les gens te voient. Tu dois donner l'exemple à tes fidèles. Même si c'est difficile pour eux, au fur et à mesure, là, ils vont te suivre. Ils vont suivre l'enseignement que Dieu t'a permis de leur transmettre. Mais tant que toi, tu ne fais pas, c'est très compliqué. Il faut celui qui a la guidée dans la bonne compréhension. Donc, on doit annoncer la religion. Après cela, avoir avec Assobrou Alel Azafiri. La quatrième chose qu'on doit savoir, c'est la patience dans l'appel vers l'enseignement de la Dawa. Hein, on a dit quoi? Hein? La première chose, c'est la connaissance qu'on doit avoir. La deuxième chose, c'est quoi? La pratique. C'est ça, non? La pratique. La troisième, c'est quoi? L'appel à la connaissance que tu as reçue. Quatrième, à Sabou. Tu dois patienter. Il veut qu'on a Sabani. Il veut Dawa qui est là. Parce que Dawa, c'est pas facile. Mais quand tu as dit au commencement, salam, Yaya Muzamil, Kum Fa'anzil, Yaya Mudathir, Yaya Mudathir, Yaya Muzamil, Kum Fa'anzil, Yaya Mudathir, Kum Fa'anzil. Quelle est la partie annoncée là-haut? Il n'en fait pas. Il l'a insulté. Son nom l'a maudit. Hein? Son nom l'a maudit. Et ici, je vous dis que derrière la montagne là, il y a une armée qui est prête à venir vous envahir, à vous attaquer. Vous êtes quoi? On dit, on te croit, tu n'as jamais menti. Depuis tes petits, on te connaît. Tu es un exemple dans votre communauté là. Donc ça, seulement, on te croit. Il dit, bon, cool là, il a dit, il dit, là, il est en Allah, vous aurez le succès. Tout le monde s'est calmé. Vous êtes tous tombés d'accord qu'il est digne de confiance. Il est sérieux. Mais est-ce qu'il va venir s'amuser avec vous comme ça? Donc, tout le monde est en train de réfléchir. J'accepte ou bien j'accepte pas. Mais si il y a une question, posez une question pour pouvoir comprendre mieux ce qu'il veut dire. Mais son oncle, lui-même, sa famille, ça commence par sa famille d'abord. Il a dit quoi? Que tu sois maudit, Mohamed. Que tu sois maudit. Aliza, ça cause ça là. Là, tu nous l'as envoyé ici. Sois maudit. Qui l'a commandé premier? Qui l'a commandé premier? Hein? Son nom, qui est sa famille. C'est sa famille qui l'a commandé. Donc, quand tu as posé Dawa, la première personne que tu commences, c'est ta famille. Et sois content que ça soit comme ça. Parce que c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un qui a commencé Dawa, sa famille a dit, bravo, c'est bien. Non, il n'y a pas un. D'autres parents, c'est justifié. D'autres parents, c'est pas justifié. Aujourd'hui, d'autres parents combattent les enfants pour Dawa. Parce qu'il est enfant. Il n'arrive pas à jongler entre les choses. C'est-à-dire concilier entre
chercher le dunya, en même temps faire dawa. Donc les parents sont inquiets de ce côté, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais, ils vont te combattre. Parce que tu es en train de prendre une voie, ce qui soit ne les arrange pas, et tu vas prêcher à des choses qui ne les arrangent pas. Par exemple, si moi ici, il m'a dans mon village là-bas, il m'a trouvé mes parents sur des choses qu'ils font. Et je commence à prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ce qu'ils disent, ça n'arrête pas les parents. Ils vont me laisser. Ils vont me laisser. Ils vont me combattre. Ils vont dire, non, ne l'écoutez pas. Oh, lui là, c'est un comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Fais fuir les gens. Et c'est son nom qui a fait Allah la boutique. Il dit, tabbat yada, abi, lahabi, watab. Abdelhamdoulilah, tu as maudit toute ta famille et tout ce que tu as eu là, ça va pas te profiter. Je m'en kiyama, tu es en enfer. Point barre. Donc, lui, il a eu quoi? Son frère et soeur. C'est-à-dire, son verdict en même temps. Il n'y a pas fait, non, tu as été repenti. Alors, là, il n'y a pas eu mort. Non, 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 non. Alors, en fait, direct en même temps. De la manière, tu as bloqué la réflexion des gens là. Toi aussi, tu es bloqué en même temps. Tu vas direct là. Lui, sa famille, tous ses enfants sont. Il était égaré. Il n'y a pas un qui a dit non, il a dit musulman, puis il a dit après, il va sortir. Non, non. Donc, si tu te poses à Allah, à la paix d'Allah, souvent d'Allah, sans chercher à comprendre, tu encours la colère qu'elle a fait, comme ça, Abidah, quand on préserve. Donc, la da'wah, c'est ça. La religion, c'est ça. Le cheikh, il dit quoi? On doit apprendre ces choses-là obligatoirement. Al-ilm. On doit chercher à savoir. Il consiste à connaître Allah, à connaître son messager, à connaître le dîn avec les preuves à l'appui. Pas faire la religion avec, voilà, sans preuve. Tu pries, Allah dit, Aqim al-Salah wa atu zakat. Tu fais zakat wa atu zakat. Tu vas à la Mecque, wa lillahi ala nas, hijjul bayt. Tu es bon avec tes parents, tu es bon envers tes proches, tes parents, allez, tu vois, le lien de parenté, le hadith est lié au trône d'Allah, celui qui coupe les parentés, Allah coupe avec lui, c'est-à-dire Allah te couche. Toi, tu dis non, toi, ta famille, c'est ton papa, ta maman, tes frères. Ton oncle n'est pas dedans. Ton cousin n'est pas dedans. Tu as coupé ça. Allah va te maudire. Il va diminuer ton expérience de vie. Et tu vas t'attirer la méchanceté des hommes. Alors que si tu obéis à Allah, tu tisses les liens de parenté, Allah bénit ta vie. Même si tu n'as pas une longue vie, ton passage sur terre va marquer les esprits. Va marquer. On dit, ah! Telle personne, quand il était là, mais si telle personne était là aujourd'hui, ça là, on n'a pas fait ça. Elle dit, tu es mort depuis 10 ans, 20 ans, mais ton nom résonne encore parmi les gens. Et qui va dire ton nom là? Il va dire, Allah, n'a tout bien, ni tout bien, Allah, qui l'a fait pour toi là. 10 ans, ils t'ont oublié, mais un jour, on a eu ton nom, il a dit quoi? Allah, il est là. Parce que tu as fait du bien. Mais tout ça, tu dois apprendre. Et si tu apprends, deuxième, tu mets à l'application toi-même d'abord. Tu adores Allah, tu as peur d'Allah. Tu fais tes prières. Tu as bon comportement avec tes parents, avec ton entourage, avec tes frères musulmans. Et après, maintenant, comme tu as vu que ces deux choses sont bien, tu appelles les gens maintenant à ce trésor-là, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aux valeurs islamiques. Et il faut savoir quand tu n'as pas de l'appeler là, il faut te juger. Il faut dire Moravia. Il faut dire non, tu es djihadiste. Il faut dire non, il pense que non, la clé est parentée de sa mère. Il faut dire non, tu es vieille femme. Il faut dire non, il s'est fait un petit vieux. Ton ami, ça c'est le commentaire. Hein? Si tu gères le commentaire là, tu n'as pas t'en sortir. Toi, tu as un objectif. Comment atteindre Dieu?
avoir une bonne vie avec tes frères, que Yoma Kiyama tu sois sauvé. Donc, tu laisses. Ils vont parler. Après, français, français, ceux qui parlent là, ils vont revenir. Comme autant de professeurs. Tout ce qu'on parlait, parlait là. À 80, 90%, tous sont revenus à l'islam. Parce que vous voyez. Donc, c'est les quatre choses que celui qui a décidé de faire dawa, il doit savoir. Quand dans votre compréhension, que le Dieu se doit chez lui. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, on va rentrer maintenant dans le commentaire du cheikh Ibn Baz. Parce que nous, on n'est pas savants pour pouvoir expliquer ça. On peut procéder à peu près, mais le savant qu'elle explique, il va t'expliquer avec la sagesse. Il va t'expliquer avec les preuves coraniques. Il va t'expliquer avec la hadith authentique. Si la hadith est faible, si la hadith est faible, mais il y a une hadith qui est comme ça. Le coup prochain, on va partir. Le cheikh a dit, premier, Al-Ilm, et on va dire ce que le cheikh de base a dit de ça. Quand on a la compréhension. Et le cheikh, après avoir donné ces quatre choses, après avoir donné ces quatre choses très fondamentales, il va nous apporter maintenant la preuve de cela. Il a dit, il faut connaître l'islam avec les preuves. Il dit à la direction du Coran, comme Dalil, il dit à la direction du Coran, بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. C'est fini. Tous les quatre choses qu'il a dit là, c'est dans cette sourate. On a dit que والعصر, par le temps, il y en a dit ici, tout le monde est en erreur, tout le monde est perdu, tout le monde est égaré. Sauf ceux qui ont eu la foi. Or, quand tu vois que tu as eu la foi, c'est que tu as eu la connaissance de la foi. C'est que tu as appris ce que c'est que la foi. Ça, c'est un. Alazina, ça, c'est la connaissance. Après la connaissance, ils ont œuvré en bien. Ils ont fait les bonnes choses. Après cela, watawasaw bil haqq. Ils se sont conseillés mutuellement la vérité. Ça, c'est quoi? Appeler les gens. Il y a Mohamed, il est en train de jouer, il y a Mohamed, vient en courant. Alors, on va dire bien. J'ai conseillé Mohamed à faire quoi? À faire le bien. Là, tu vois. Il y a Mohamed en train de prendre bagage d'une vieille femme pour l'accompagner. Ah, Mohamed, t'as eu prendre bagage, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Je l'encourage. Là, tu vois. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bil sabr. Donc, c'est ça. On s'enjoint, on se conseille du bien. On s'interdit le mal. Et puis, et on s'enjoint mutuellement à la patience. Donc, tous les cas qu'il a donné là, à ma voix, à fait. Il a tiré ça de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran, qui est surat wal-asr. Et l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, si Allah n'avait pas fait descendre autre sourate, à part Wallah seulement là, il dit, ça serait suffisant pour les musulmans. Papa. Il dit, si Allah n'avait pas fait descendre Bakara, Ali Imran, Nas, Izaja, mais il avait fait descendre seulement sourate Wallah, il dit, ça allait être suffisant pour nous. Parce que c'est toute la religion qui est là. C'est toute la religion qui est dans ça. Demain, le musulman doit se comporter là. C'est ça l'ancien soudain là. Le musulman doit être quelqu'un qui est savant. Le musulman doit être quelqu'un qui applique la religion à l'aide. Le musulman doit être quelqu'un qui appelle les gens au bien. Et le musulman doit être quelqu'un qui est patient. Prendre la bonne compréhension, quelqu'un qui se doit chez moi.